ce matin. Je vais prendre avec moi des bocaux vides pour remplir. Je sens qu'on va finir par avoir soif. D'ailleurs, j'ai soif. Faible que ça. Ah non, j'ai pas soif. J'ai faim. Manger soif. Non, j'ai faim aussi. Et je me suis pété la cheville. C'est clair. Ah bah, au moins, on a quelque chose en commun. Que fait-on pour cette journée? Une idée? Bon, bah, bon. On a une maison à visiter, là, non? Ouais, on peut. Bon, on va faire doucement pour descendre. Que j'ai des flèches sur moi. Oui. Bien. La plus proche? Elles sont à la même distance, mais... Ouais. Aïe! Ouais, exactement. Il y a de l'écho quand on a mal, tous les deux. Pas me taper sur les pieds, hein. Non, mais par contre, il me semble que j'entends un loup. Bon. Ouais. Non? Ah non, ça c'est la robe escalier. Je l'ai entendu pourtant. Bon, oh, un sac. Sûrement l'ours qui a bouffé un zombie et il reste ses poches. Entendu, gémissement. Bon, de toute façon, on peut pas courir. Non, c'est ça. Oui, t'as une attelle aussi, toi, non? Oui, hein. Vous rappelez pas que je suis tombé du toit? Ah, si. Je crois que c'est par là que Jen nous a demandé de visiter une maison. Je viens de récolter une hache de pompier. Je manque de punch pour manipuler ce truc-là. Bon, on a été entraîné toute notre vie à traînasser sur un ordinateur. Nos petits boulots de bureau, tic. Attention. Et maintenant, on est obligé de... De se bouger les fesses, con. C'est quand même plus facile qu'on aille chercher le coca dans le frigo et le chips dans l'armoire. Dire que maintenant on est obligé de chasser. Vérifier à pas se faire bouffer. Ouais, parce que là dans le garage, il y a quelqu'un qui pionce. Ah. Ouais. Laissons-le dormir. Il y en a qui se promènent de bon matin. Allez, madame. Fais dodo. Bonne nuit. Ouais, c'est ça. Bonne nuit. T'es levé trop tôt. Ah, c'est quoi ça? Médoc. Une boîte aux lettres. Ah, tu peux encore te casser une jambe, je vais te trouver un plâtre. Ah, c'est pratique. En plus, les plâtres, c'est beaucoup plus pratique. Enfin, beaucoup plus rapide. Oh là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui se cachait derrière? Ouais. C'est planqué derrière l'ambulance. Mais comme par hasard, c'est pas une jolie infirmière. Non, vraiment. De toute façon, une jolie infirmière à moitié bouffée. C'est tout de suite moins intéressant. Ah, de l'eau. Je vais pouvoir remplir les bocaux. Autant pour boire que pour cuisiner, c'est nécessaire. Où est-ce qu'il est? Ah, il cavale en plus celui-là. Il va coucher. Ça va pas. C'est un petit ado, hein, c'est plein d'énergie à cet âge-là. Ah, il m'a griffé, fini. Ouais. C'est pas couper les ongles. C'est celle-ci en face. Avec le petit lampadaire. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a eu des survivants. Il laisse toujours une lumière allumée. Ah, je crois que j'ai trouvé le point d'entrée. Tiens, je mangerai bien une petite omelette au passage. Alors, attention. Allez. Ouh. Ouh. Ah bah, je préfère comme ça. Ah, c'est original, ça. C'est toi. T'avais quelque chose d'explosif, t'as tiré, il y avait une mine ou quoi? Ah non, ouais, le chien a rencontré une jolie mine. Ah, il s'est suicidé. Bah, à mon avis, les anciens proprios avaient installé une jolie petite défense. C'est un ancien militaire et son chien. C'est ses chiens, parce qu'ils étaient deux. Ouais, à mon avis, à moitié transformé en zombie. Il y a le cerveau qui est devenu tout mou aussi. Hein. C'est du matériel qu'on a trouvé ici.
Ah oui, j'ai pas de pelle, moi. J'en ai une. Une jolie pelle en pierre, mais je vais vous donner la mienne. J'ai pas de fibre végétale. J'en ai... Bah, tenez, voilà la mienne. Voilà. Comme ça, on ramasse différentes ressources. Bon, alors, ici, je vais me faire mal à la patte encore. Aïe. Ah, y a personne qui vient. Ah, chouette. Mais moi aussi je vais me faire mal. Ouais, bah non, peut-être pas. Allez, sauter sur mes épaules. On raté trop tard. Ah non. Je me sens beaucoup mieux. Je suis attention. Je l'ai vu arriver lui. Personne de la douche. De la dernière fois, je m'en souviens. Oh, quel con. De stress, j'ai pété la pharmacie. Un sac à dos tout moisi. Alors. Ah. Je crois qu'on fait du bruit et on a réveillé du monde, non? C'est ça. Ah, ça y est, en plus il drache. Ouais. Ah, du café. Alors. Je vais penser à prendre les pots de fleurs pour récupérer le terreau pour faire nos futurs champs. Bon, ça y est, je commence déjà à être surchargé. On sera vite surchargé. Et si on s'organisait, qu'on s'échangeait des ressources. Attends, je finis. Ouais, ouais. Ici. Je vais aller voir la chaudière. La buanderie, ouais. La buanderie qui est vide. Ah, ça y est, moi j'ai les documents que je devais récupérer. Oh, moi aussi. Alors, ici... Oh, un coffre. Je vais peut-être le noter sur la carte. Il y a quelqu'un qui est pas content, là. Ah, ah. Sinon, la sortie, c'était par ici, hein. Et là, il est mort, pour la deuxième fois. Hop, hop. Ah oui. Ça, c'est déprimant, hein, de mourir deux fois de suite. Ouais, est-ce qu'il est conscient quand il meurt la deuxième fois? Non, ça, c'est pas sûr, ça. Ouais. Et là. Ouh. Oh là là. Ah, vous avez eu le mari et la femme? Ah non, et les deux frères, plutôt. Eh mais... Il m'a baffé, su. Bah, c'est pas vraiment qu'il vous a baffé, c'est surtout qu'il avait faim. Bon, je récupère la plante, comme j'ai dit. Sauf que le résultat est le même. Ah, encore un coffre. Oh, deux coffres dans la même maison. On reviendra quand on aura trouvé des petits outils pour crocheter. Tiens, vous avez toujours votre pantalon en fibre ou... Ouais. Venez, ce sera mieux, hein. Vous aurez moins froid aux fesses. Bah ouais, du coup, je me mets... Ouais, je suis en short. Je suis pas sûr que j'aurais plus chaud en short. Alors c'est un flou, ce qui ne vaut plus rien. Bah, du coup, là, du tissu en plus. Ah, tu peux quand même le revendre, hein. De quoi? L'ancien flouze. Ouais. On peut l'échanger contre des jetons. Contre des jetons de casino. On ne joue pas à la roulette. Oh. Des munitions ici, c'est bien ça. Desquelles? Des cartouches de chevrotine. Je vous mets les cartouches dans les toilettes. Ah, super. Ouais, mais il n'y a plus d'eau. Hein. J'ai pris l'eau d'abord. Bon, casse. Ouais, il est quelle heure, hein? Non, 8h45, ça va. Donc la sortie est ici. Et on a cette maison toute moisie. Ouais. Ici, je vais quand même ramasser les chaises. Ça nous fera un peu de plastique pour la construction. Ah zut, j'ai froid. Avec cette pluie, je suis gelé. Ouais, moi aussi. Je suis gelé, mouillé. Et affamé. Bah, et quoi, pas manger ma bonne petite omelette du matin? J'avais même fait des bons steaks grillés avec. Si. C'est ça qui est terrible, c'est que je les ai déjà mangés, tes œufs. Ah non, je les ai pas mangés. Regardez, il y a un beau petit cube bleu, là. Et voilà. Dans mon estomac, les œufs. On se sent mieux, hein, quand l'estomac est bien rempli.
Comment ça, j'ai faim? Je viens de manger. Ça vous a juste ouvert l'appétit. Ah là là. Vivement qu'elle soit soignée, cette jambe. Moi, ça va. J'ai toujours bien aimé le bruit de l'orage. L'ennui, c'est que ça couvre le bruit des zombies. Ah oui, et puis donc on avait laissé plein de trucs ici. Ah oui. Oh, ah oui, quand j'ai plein de trucs, c'est plein de trucs. Si j'avais de l'argent, qu'est-ce que je pourrais acheter? On n'a pas d'argent. Enfin, si. Mais non. Je vais lui échanger 5 vieux dollars contre 5 ducs. Position de... Hey, composition du pain à la citrouille. Ça tombe bien, on a acheté... J'ai trouvé de la citrouille l'autre fois. J'en ai trouvé des citrouilles. Chouette. Ouais, super. Alors, qu'est-ce qu'elle me propose, elle? Elle m'a proposé un livre pour mieux chasser aussi. Bien pratique, ça. Sur l'anatomie des cerfs. À première vue, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça me permettra de les tuer plus facilement. Bon, ben on va se... On va direct à notre maison, non? Oui, mais je veux dire, on va se... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je vais me charger comme un mulet. Du coup, je vais me traîner jusque la maison. Un peu ça. Ouh là là! Parce que là... Le sac est presque plein, là, il est lourd. Hein. Wow. Le problème, c'est si on rencontre une horde, on n'arrivera même pas à courir assez vite. C'est ça qu'il faut bien tendre l'oreille. Tiens, en parlant de horde, il y a une copine là, sur la droite. Je vais la laisser tranquille. D'habitude, j'aime bien leur défoncer le crâne, mais là... Ah, par contre, ici, il y a une souche d'arbres. Et ça, on ne dit pas non pour le miel qu'elle peut nous donner. On est affecté, on peut permettre de passer de trépas à vie. Et j'ai fait exprès de verser l'expression. Ah oui, on a une antenne rouge sur le toit, c'est juste. Ça permet de retrouver notre bâtiment de loin dans le brouillard. Première fois qu'on est montré, mais je me rappelle plus qu'elle était allumée. J'avais même pas fait attention. Bon, alors... On pourrait essayer de tenter de faire du thé rouge. J'ai la possibilité de faire du thé rouge. Ça, ce serait bien. L'alimentation, t'as mis ça au-dessus? Oui, oui, je veux faire le jardin et mon petit feu de camp en haut. Donc, ce que j'ai ramassé comme nourriture, je te l'amène, quoi. Très bien. Et si à tout hasard, vous saviez me faire une caisse pour mettre en haut, ce serait pas mal. Moi, je veux bien ma caisse ici, à côté de la chaise, si c'est possible. Ok, donc il reste un petit peu de viande, si vous avez faim, il y a... Parce que je vais peut-être les ouvrir, les coffres, non. Et on va peut-être aller continuer à se promener. Ouais, c'est vrai que je suis en train de trier, moi. On triera quand on reviendra, on a toute la nuit pour ça, bon. Ouais, je vais juste retirer du feu certains trucs. Vous ne prenez pas au moins à manger et à boire, au moins prendre un steak, quoi. Si, ça j'ai. Bon, ben là je crois qu'on est bon, hein. Ok, c'est parti. Ouais. Ah, j'ai plus mal aux jambes. Ça fait du bien. Je peux courir! Parfait. Moi aussi, ça tombe bien. On va être tout de suite plus productif. Non, pourquoi je suis déjà essoufflé? Ah, ça y est? Ouais, hein. Ouh, une fraction de seconde, j'ai eu peur. Ah. Ah, vous faites un peu moins paysan comme ça avec votre short, plutôt qu'avec votre pantalon en paille. Tu veux bien parler, t'as vu tes chaussures? Je sais plus ce que j'ai comme chaussures. Ouais, t'as toujours des espèces de bandelettes en herbe. Ah, mais vous n'aimez pas mes chaussettes? Ben, j'attends que vous m'offriez une paire de bottes comme je vous ai offert un beau short. Hein.
Là. T'es piteuse, t'as celle-là. Bon. Ouais, beau châssis quand même, hein. Une statue dans un jardin, ouais, pourquoi pas. Ah, il y a encore de l'eau ici. Ah, j'ai pas pris les bocaux vides. Un bus. Ah. Je crois qu'on est pas loin. Non. Ah ouais, juste devant nous. Par ici, de l'autre côté. Voilà. Bon. Bon, on commence par celle-ci. Ouais. C'est encore une à toi, c'est ça. C'est celle que Jen m'a donnée, mais bon, ouais, moi si on tombe dessus par hasard. Bon, on tombe dans le garage ici. Les propriétaires sont partis. Ah, il y a de quoi creuser ici. Je vous laisse faire. Hein. C'est vous les gros bras. Hein. Moi je peux en manger. Ah, j'ai assez de pneus. Oh. La porte qui est fermée à clé. Comment se fait-il? On n'a pas. Ah, il y a l'entrée ici. Sur le toit. Ça? Comment sur le toit? Ah oui, on a été trop vite. Oh oh! Et comme tu dis, oh oh. Ah, je crois qu'elle allait se réveiller. Et de fait, elle est tombée en ruine, cette baraque. Ouais, y a pas que la baraque qui est tombée en ruine. Alors, moi aussi, je suis tombé. Oh. Oh. J'aime bien de les voir enflammer avec ma nouvelle massue. Ça peut toujours servir une marmite. Ah, je crois que voilà ce que Jen m'a demandé, je l'ai trouvé. Ça appartenait sûrement à la cuisinière parce que la mise au-dessus de la hotte. Oh, moi aussi. Par contre, divan en cuir récupère. Alors. Toujours. Très bien utile. On va essayer de pas passer à travers. Oh. Je crois que j'ai fait un peu trop de bruit pour des copains. Joli barbecue. Je dirais que c'est deux sœurs. Regarde derrière moi là. Parce que ouais. Pendant que je ramasse le. Merde. Je ramasse les bricaillons. Bon. Ah, c'est pas passé là. Je le dis. Je... Non, sur le. Au-dessus? Non, des vieilles ordures. Ah oui. Attention. Ah. Sur le grenier, ouais. Ouais. Ouh. Ouh. Il faisait des messes noires ici. Oh, elle est tombée du plafond. Des munitions.
Je vous laisse les gros sacs de pierre à pavé. Oh, les petites bougies. Vas-y, de la farine moisie, ça. Bon. J'ai un arc. Il faut le niveau 2, si tu veux. Ça m'intéresse, pour un chasseur. Hop. Voilà. Parfait. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai rien d'autre? Non. Ça va vous faire plaisir, j'ai des clous. Où est-ce qu'il est l'autre là qu'on entend taper comme ça? À mon avis, on a zappé une partie de la maison. Moi que. Et là derrière, il n'y a rien? Non, il n'y a rien. Bon, allez, non, on redescend en bas. On a dû rater une pièce. Il est pas tout seul en plus. Oh, des vêtements. Oui. Ou des lunettes. J'aurai le style avec mes chaussures. Ouais, on dirait presque qu'il est. Ah bah tiens donc, je suis retombé pour forger. Non, il est par là. Drick, il est sur le toit. Ou par là? Ouais, il est là. Avec la vieille maison en bois. Hein, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il court sur le toit. Ouais, tu peux râler tant que tu veux. Oh. Désolé, monsieur. J'ai pas l'habitude de taper dans ces zones-là, mais... Qu'est-ce qui est arrivé, là, lui? Ah, bah, elle est montée sûrement par le garage. Elle a fait comme lui. Ouais, elle est tombée par la fenêtre du grenier, peut-être. Enfin, soit... l'autre... T'as encore beaucoup de place, toi? Je suis déjà un peu lourd, mais j'ai de la place, ouais. On pourrait aller visiter la mienne. C'est tout près. Celle que Jen vous a donnée, elle est où, elle? Ouais. Oh, 18 mètres, quand même. Ouais, elle est par où? 100 mètres par là. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas de l'eau, ici? Non, si. Pas dans ceux-ci. Oh. Pas dans tous. Non, même sûr, j'en ai vu tantôt, en passant. Ouais, tous les ruisseaux se ressemblent. Bon, au moins, on aura à ramasser du matos pour survivre. C'est quand même la base. Même si on n'a pas le bonus de Jen. So, now that you have some money to spend, we're running a 10% off sale for the rest of the day. I had a good feeling about you. M'a demandé d'aller déterrer des provisions. Je me suis dit pourquoi pas, de toute façon. Par contre, c'est à 500 mètres, donc c'est assez loin et c'est au sud. Je ne deviendrai jamais pote avec elle si je ne lui rends jamais service. Bon. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Est-ce que c'est fort près de notre maison? Bah, c'est dans la bonne direction en tout cas. Et on allait se vider d'abord, non? Sinon, on risque de déjeter des provisions, comme c'est dans la même direction. Ouais, si tu veux. Hâte quand même qu'on fabrique ou on trouve un pinceau. Et de la peinture par la même occasion. Ah, deux secondes, je suis en train de les ouvrir. Voilà, ils sont ouverts. Allez, c'est parti. Parce que sinon, il va faire nuit. J'adore les gens qui essayent de faire des barricades avec des matelas. Je trouve que c'est peu efficace. Et franchement, on peut mieux le faire. Ça marche pas longtemps, ça. Hein. Ok. Oh, attendez. Pas chasseur pour rien. Non, c'est ça.
Bien joué. Ah, j'imaginais bien derrière le bar, lui. Ouah, il m'a foutu une torgnole. Il n'y a plus rien sur ces étagères, tout est vide. C'est quoi cette arnaque? Ah, c'est un vieux coca. Il y a du béton en haut. Moi, je l'ai vu. Sortez pas! Il y a du gibier pourri. Ouf. Ben. Pourquoi toujours pour moi? Attention, copain! Là pour du monde dans le hangar, comme ça. Qu'est-ce qu'il est? En dessous. Ouh, le plafond qui se laisse aller. Attendez. Descends toi. Curieuse. Ah, il y a une trappe en fait. Il y a une échelle surtout, c'est qui s'accroche dessus. Merde. Les deux là. Je vais couper le genou. Ouh, dans les fesses. Bon, oh, commence à m'emmerder lui. Descends. Voilà. Un guidon de vélo. Il y a rien à dire. Oh, il y avait une autre porte en plus. Il y a quelque chose en dessous. Me voilà un peu. Que dalle, me voilà un peu déçu. Ouais. On n'a plus qu'à aller sur le toit. Ah, j'ai trouvé un flingue. Un flingue. Hein. Mais je sais pas pourquoi tu veux aller sur le toit. Parce qu'il y a une échelle. Qui dit échelle dit souvent des gens planqués. Exact. Qui dit gens planqués dit souvent quelques affaires à récupérer. Décidément, elle va s'écrouler complètement cette baraque, quoi. Bien. Quelle heure? 17h40. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'aller creuser pour récupérer des provisions? On peut. Ah, peut-être de la bouffe. On ne sera pas déçus. Ouf, c'est à 900 mètres quand même. Ah, ben c'est parce qu'on est dans l'autre sens. Sinon, tantôt c'était à 500 mètres. Vous n'avez pas du 9 mm sur vous? Non. Dommage. Parce que j'ai trouvé un vieux flingue, donc on ne sait jamais. Ah, j'ai un livre pour toi. C'est quoi? T'intéresse? Hop, voilà. Chasser à la lance. Je peux faire personnellement à l'arc, mais on ne sait jamais. Si j'ai une lance et un gros ours, c'est peut-être plus efficace que des flèches. Ah bah, tant qu'on est là, on va aller rendre à Jen ce qu'elle voulait. Allez, c'est parti. Ah oui, il faudra au passage que je me fabrique une petite pelle en pierre. Ouh, ça attrape. Moi, il est en bon état en plus. Ouais. Il roule ou pas? J'entends le chauffeur là. Non. Ou du moins, ce qu'il en reste. Non. Non, il est endommagé, pas de chance. Ouais.
Ah ah, j'en ai un. Oh, du fer. Vous avez quoi? Un minerai de fer ici. Ouais. Vous cherchez des provisions, histoire de qu'on ait de quoi manger. Marrant, tous ces copains et ces copines qui se promènent à la pampa. Ils ont voulu fuir les villes et se retrouvent à errer en pleine forêt. Encore un œuf. Pour se faire des bons œufs bacon. C'est pas que j'aime pas le steak grillé, mais histoire de changer un petit peu d'alimentation, de varier les plaisirs. Et déjà 19h, on n'a pas été rattrainé. Et en plus, j'ai faim. Et que c'était encore un Z qui essaie de me prendre par surprise. Bon. Première mission, fabriquer une pelle. Non, tiens, j'en ai une pour toi. Là. Ah, bah, ça ira encore plus vite. On va déjà virer ce truc là. Elle est où? Hops. L'avantage, c'est que ça fera du terreau pour mon jardin. Où viennent ces feuilles? Allez, bouge-toi un peu l'arbre. Voilà. Ouh. On va voir. Je vais y voir plus clair comme ça. Ah, ça se réduit au moins. Ou bien tendre l'oreille. Hein. Au cas où on a des affamés qui arrivent. Ah, je l'ai. Attention, attention. Oh, ils arrivent. Ah. Le petit genou. C'est bon. J'en vois qu'un. Ouais. Il voulait vraiment vous manger celui-là. Vous allez récupérer? Oui. Merde! Il y avait une biche. Elle vient de m'embêter en pleine chasse. Ah, c'est bon. C'est tout? Non, il y a... Là, il y en a une qui arrive, mais... Est-ce que je peux chasser tranquille? Et voilà, une bonne flèche bien placée en plein front. Ah, je crois que je vais péter une patte. Oh là là. Une véritable boucherie. Voilà. Je vous dirai si vous préférez que je vous prépare un gigot ou une petite entrecôte. Il y en a du peuple ici. Ouais, on dirait qu'il apparaît avec la nuit. Je propose de rentrer. Ouais, de toute façon. On n'est pas tout prêt. On a tout le temps d'aller rendre, non? Oui, ouais, je crois que Jen ferme juste à l'aube de la nuit. Oh merde. Et je vais trouver un magazine pour vous. Parfait. Vous êtes loin? Venez, je vais vous le donner. Ce sera ça au moins que je porte parce que j'ai un peu les fesses qui traînent à terre là. Plus surchargé quand même. Ah, je connais déjà. Donc c'est pour vendre alors, je suppose.
Je crois que j'en ai une deuxième. Et si je dis pas de bêtises, ouais. Je sais faire des pommes de terre au four maintenant. Je peux survivre grâce aux pommes de terre au four. Ouais, c'est sûr. Faut encore trouver des pommes de terre seulement. Oui. Même pas. Ouais, elle court vite celle-là. Ouais, je vais être épuisé avant de la toucher. Non, je l'ai eu. Et c'est moi. Le pro du dépeçage. Ouais, ouais. Vous êtes le pro de la pelle et moi du surin. Ah, je suis content de l'avoir attrapé. Au départ, c'était pas gagné. Ça court vite à ces trucs-là. Mais c'est plus facile d'attraper une poule qu'un lapin. Vous savez, quand un zombie vous court après, vous restez pas sur place. Ben elle, quand on sent qu'on va la bouffer, elle se tire aussi. Ah non, mais je suis poursuivi. Voilà. Sauf que cette fois-ci, c'est vous la poule. Mais sauf que moi, je suis une poule qui se défend. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode.